peux les mettre tout l'hiver? Oui, tout ce qui est ici pensé d'hiver, ça reste. Hein. Anne-Françoise, 37 ans, travaille à Bruxelles, dans une ferme pas tout à fait comme les autres. Parfois, quand un client qui va un peu trop vite, je dis allez un peu doucement. Et puis là, ils sont compréhensibles, ils savent qu'ils doivent s'arrêter, que j'arrive pas à suivre. Et puis, bon, on se reprend, hein. Je reprends la tâche. Dans cette ferme, la plupart des salariés sont handicapés. C'est le cas d'Anne-Françoise qui souffre d'un handicap mental léger. Elle est employée ici depuis 10 ans et comme pour ses collègues, elle est encadrée par un moniteur qui intervient au moindre problème. On ne parle pas de handicap en tout cas ici, on parle plus de, voilà, d'adaptation et de, peut-être de vigilance, peut-être parfois un peu plus importante par rapport à certaines personnes de l'équipe. Voilà, on connaît un petit peu les limites de chacun, on sait quand on doit intervenir ou être là, plus attentif à certaines choses. La ferme Nopilif, c'est un projet unique en Belgique. Elle emploie aujourd'hui 150 personnes, parmi elles, 120 sont handicapées. Ici, il y a la jardinerie, l'épicerie avec ses produits bio, la boulangerie avec son pain artisanal, une ferme pédagogique, mais aussi un restaurant où l'on peut prendre un verre ou déjeuner. Une entreprise de proximité qui a un objectif. C'est de mettre au travail des personnes handicapés dans des boulots valorisants, utiles et rémunérateurs. Deuxièmement, comme on est ouvert sur notre quartier et sur la ville, de permettre aux gens dits normaux de se rendre compte que des personnes handicapées sont capables de réaliser aussi des merveilles dans leur travail. Et ça marche tellement bien que la ferme a plus de 7000 clients fidèles. Il y a vraiment toute une convivialité qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs, quoi. C'est gratifiant pour nous de se dire qu'on les aide aussi, quoi. On voit la qualité du travail qu'ils font, on voit qu'il ne faut pas les laisser dans un coin, ils ont toute leur place dans la société. À l'origine du projet Nopilif, il y a cette femme, Nelly Philipson. Au départ, cette orthophoniste crée un centre pour les enfants handicapés mentaux. Très vite, elle s'aperçoit qu'une fois adultes, ils ont des difficultés à s'insérer. C'est de ce constat que naît cette ferme en 1984, avec une seule priorité. L'intégration de nos personnes, les considérer comme des travailleurs les plus normaux possibles, leur donner le soutien, leur donner du travail d'abord, avoir un salaire, avoir une fiche de paye, être comme tout le monde, mais c'est surtout leur faire vivre la vie le plus normale possible d'un ouvrier normal, avec beaucoup de compréhension, d'adaptation au travail. Ce n'est pas eux qui s'adaptent au travail, c'est nous qui nous adaptons à ce qu'ils sont capables de faire. À la ferme, il faut 2 à 3 personnes pour un poste, contre une seule dans une entreprise ordinaire. Une démarche qui permet aux travailleurs de s'épanouir pleinement et à leur rythme. C'est le cas d'Anne-Françoise qui n'était pas pleinement satisfaite de la place qu'elle occupait dans son ancienne entreprise. Avant, je travaillais dans une banque, donc c'est plus dans les bureaux que je travaillais. Ici, j'ai plus le contact de mes clients, donc... Ce travail l'a transformée. Parce qu'au début, quand je suis arrivée, j'étais très timide, tu sais. Grâce à la relation privilégiée qu'elle a tissée avec ses clients, elle a pris de l'assurance. Si bien qu'elle a même rencontré l'amour avec Manu, qui travaille lui aussi à la ferme. Ils sont ensemble depuis 10 ans. On s'est rencontrés ici quand j'ai commencé le travail. Puis voilà, j'ai craqué sur le boulanger, donc... Au fil du temps, on pose, on s'est côtoyés, et puis bah, après, bah, il y a eu plus que... Camille, collègue, préférence sucre, chocolat, sucre raisin, en nature. Manu a commencé à travailler ici il y a 13 ans comme boulanger. C'est son premier emploi et aujourd'hui, il est en haut de l'échelle. Au tout début que j'ai commencé à travailler ici, j'étais quand même encadré via une personne, un moniteur. Ici, comme dans n'importe quelle entreprise, on fait en sorte que les travailleurs évoluent en interne. Au fil du temps, j'ai commencé à avoir... 2-3 personnes avec moi pour gérer le travail. Et alors, c'est comme ça que je suis devenu un peu à encadrer quelques personnes et à devenir au stade où je suis maintenant. Quoi. Manu gagne environ 1 200 € par mois. Et même s'il souffre lui aussi d'un handicap mental léger, il s'occupe à présent d'autres handicapés de l'épicerie en tant qu'aide encadrant. Parmi eux, il y a Stéphane. Ouais, je m'entends bien avec Manu. Il me donne des conseils. Alors ici, celle-là, mauvais. On va la retirer.
Pas question de laisser des fruits abîmés. À la ferme Nopilif, on a des exigences sur la qualité des produits. Si certains d'entre eux sont issus de producteurs locaux, d'autres, comme le pain, les œufs et le poulet, viennent directement de la ferme. Et ce n'est pas plus cher pour autant. Claudine, 70 ans, est une adepte. Elle vient ici chaque semaine depuis 25 ans. Bien, je viens faire mes courses ici parce que je trouve pratiquement tous les légumes bio et toute l'alimentation, en fait. Mais pour Claudine, l'intérêt, c'est aussi d'accompagner ses travailleurs dans cette belle histoire. Pour ici, on suit les gens de semaine en semaine, je veux dire. Donc, leurs problèmes ou l'évolution dans la ferme, des choses comme ça. C'est important pour eux de trouver du travail. Il y a une série de gens ici, je ne sais même pas où se trouve leur handicap. Bon, ça peut être des choses physiques qui font qu'ils ne vont pas trouver de travail, quoi. Ici, ils trouvent leur place. Et ça, c'est chouette. Parmi les salariés, une seule personne est handicapée physique. Elle supervise certains de ses collègues. Il y a aussi 8 sourds et malentendants en charge du conditionnement. Aujourd'hui, seulement 40% des ressources de la ferme viennent de subventions. Le reste est le fruit du travail de ses employés qui font tout pour dépasser leur handicap.